Carlsberg, pénalisé par les tensions entre l'Union européenne et Moscou, le brasseur danois prévoit une baisse inférieure de 5% de son bénéfice d'exploitation 2014. Il anticipait plutôt une croissance, mais ses ventes en Russie viennent plomber les résultats. Le groupe s'attend à les voir baisser de l'ordre de 5 à 10%. Un manque à gagner considérable pour Carlsberg qui réalise 35% de son bénéfice d'exploitation sur le marché russe. Dans un communiqué, le groupe dit envisager des changements structurels qui pourraient amener à des fermetures de brasseries en Europe de l'Est.